Je m'appelle Valentin Mosselin, j'ai 24 ans, et depuis bien longtemps maintenant, je porte un amour certain pour la montagne. Pour tous les beaux paysages qu'elle a à offrir, pour les rencontres qu'elle m'a permises de faire, et pour l'opportunité qu'elle m'a donnée d'en apprendre plus sur moi-même. De cet amour est née la passion de la photographie et des images. La montagne, c'est un milieu pas toujours facile d'accès, mais depuis 3 ans déjà, l'association Andy Lac et Montagne s'est donné le pari fou de permettre à des personnes à mobilité réduite de pouvoir eux aussi profiter de cet environnement précieux. C'est déjà la deuxième fois qu'ils me proposent de participer à ce week-end, comment dire, plutôt insolite. Et aujourd'hui, Défimed et moi-même décidons de partager cette expérience écotouristique avec vous. Allez, ce matin, on est parti pour faire une grande balade, toujours avec des personnes en vélo électrique et des personnes en quadrix. Moi, j'ai beaucoup de chance parce que on m'a prêté un quadrix aussi. Ça me permet de transporter mon matériel vidéo, de faire plus facilement des prises de vue, de me déplacer plus facilement. Et en plus de ça, je peux vivre l'expérience Air Handy Bike à fond. A tout de suite. Un travail impressionnant a été réalisé en amont par l'équipe pour préparer le trajet. Et pourtant, même avec une assistance électrique, c'est un sacré défi pour les participants que d'évoluer sur ce terrain. Heureusement, il y a une belle cohésion d'équipe. Ça a été une très belle expérience avec beaucoup de sensations au départ, vu que je ne maîtrisais pas du tout l'engin. Parce que moi qui adore la montagne, c'est vraiment une joie de retrouver les sensations, voilà, d'être en randonnée dans des sites aussi sympas. J'ai toujours adoré transmettre ma passion de la montagne. Et pendant le festival, il me suffisait de lire leur visage pour voir les étoiles dans leurs yeux.